Non, mais de toute façon, c'est pas avec les chasseurs russes que vous allez revenir au top, Herbert. On va voir comment vous pourriez revenir au top. On va faire une interview back to top. Alors, Herbert Léonard, est-ce que pour revenir au top, vous seriez prêt à vous mettre nu sur une pochette? Jamais. À vous faire appeler MC Herbert? Ça veut dire quoi, MC? Master of Ceremony. Why not? À faire la première partie d'Élodie. Des quoi? D'Élodie Frégé. Qui c'est? Un peu de respect pour les vrais valeurs. Tu sais pas qui c'est? Non. Est-ce que vous seriez prêt, Herbert, pour revenir au top, à enregistrer une version gay de Pour le plaisir? Pour ton plaisir. Ah, j'ai toujours dit que le jour où je déciderai d'arrêter de chanter, je ne sais pas quand ça viendra, ni si ça viendra, je ferai une version X de tous mes tubes. Ah, hé celle-là, c'est pas la peine. Ça, j'adore. Je crois qu'on va la garder. Je crois que c'était vraiment un sampleur que je vais garder. Mais parce que... retirez-le haut chez vous, vas-y, mets la musique. Est-ce que vous êtes prêt pour revenir au top à faire un duo avec des rappeurs? Ah oui, oui, hein? oui, j'adore. Est-ce que vous êtes prêt à raconter dans les émissions de télévision que vous êtes tombé dans la drogue? Je ne suis jamais tombé dans la drogue. Alors, je ne peux pas dire ça. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à faire un lifting? Non, je suis prêt à tout, sauf à ça. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à dire du mal de Michel Drucker? Jamais, non, non, je ne peux pas. Non, 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 c'est non, pas non, le meilleur moyen de revenir back to top. Ah oui. Si, ça branche quand même, si, si. À vous faire naturaliser québécois? Non. À vous habiller moulant? Non plus. À vous faire photographier dans Voici avec Ophélie Winter? Si elle me prête ses seins, oui. À vous faire teindre les cheveux? Je l'ai fait. J'ai fait deux ans, pendant deux ans, j'ai fait Notre-Dame de Paris. Ouais. J'ai donc mis Léonard dans une petite boîte et j'ai fait Frollo. Ouais. Et je me suis fait teindre les cheveux pendant deux ans. C'était horrible d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai pris un plaisir extraordinaire à jouer les méchants. Est-ce que vous seriez prêt à chanter à la Starac? Pour revenir au top? Ouais. Pour revenir au top, non. Un mi-top alors? Mi-top peut-être, oui. Est-ce que vous seriez prêt à prendre Gérard Louvain en otage? C'est un ami. À tenter une vanne contre Baffy? Oui. C'est un ami. Ah. Oui, oui, oui. À soutenir Dieudonné? Je pense pas, non. À quitter ce plateau tout de suite en faisant un énorme scandale, pour revenir au top, hein? Pour revenir au top? Ouais. Mais je suis beaucoup trop modeste pour ça, non. Vous seriez prêt à quoi, alors, pour revenir au top? Ma productrice a toujours dit que je manquais d'ambition. Mmh. Et je pense qu'elle a toujours eu raison, parce que j'ai jamais cherché à être constamment au top, quoi. Mmh. Donc c'est pas seulement l'accident, il y a aussi un manque d'ambition, vous pensez? Quelque part, oui, certainement. Ouais. Je ne cherche pas à écraser tout le monde, à changer de maîtresse tous les six mois pour faire la une de Voici. Il y a un moment où vous étiez avec Cléo, hein. C'était une paye, hein. Écoutez, je me suis marié très récemment, après 37 ans et demi de réflexion. Oui, parce que vous avez raconté pendant des années que le mariage n'était pas dans vos gènes, et finalement, vous avez craqué. Petite période d'essai, c'est 37 ans. Pour des raisons plus administratives qu'autres, parce que l'amour n'a jamais manqué. Ouais. Vous êtes heureux, alors? Je suis heureux. Herbert Léonard. L'album s'appelle Entre charme et beauté. Il y a ça aussi. Michel, j'ai bien fait des pères, celle-là. Elle pourrait montrer une épaule, juste une épaule. Michel, c'est une épaule, une épaule. Ah oui. Ouais. J'accueille maintenant.